choisi Novantia parce que c'est une école qui a des valeurs, un état d'esprit qui me correspondait, qui me correspond toujours d'ailleurs. C'est une école qui est proche de ses élèves, et ça c'était des choses qui étaient vraiment importantes pour moi dans le choix de mon école et donc de Novantia. Et en fait ça m'amène au deuxième point qui m'a permis de choisir et qui m'a fait choisir Novantia, c'est justement une école qui soit proche de mes valeurs et qui me corresponde sur le plan humain et en même temps sur le plan des compétences que pouvait m'apporter l'école. Et c'était une des seules dans ma sélection qui offrait justement une spécialisation aussi sur la négociation, un niveau assez intéressant et qui permettait justement de concrétiser ce projet professionnel. Principalement les rencontres. À Novantia, j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, tant au niveau du corps professoral qu'au niveau de mes camarades de promotion. Ça correspondait à ce que j'étais venu chercher et j'ai pas été déçu. J'ai vraiment trouvé des gens avec qui échanger, des gens intéressants, des gens ouverts sur le monde. Et également, bien sûr, la formation qui était proposée, qui répondait à mes attentes, avec des professeurs de qualité. Qui savaient dispenser et qui savent toujours, bien sûr, dispenser des cours de qualité proches de l'actualité. Et puis aussi, ce qui m'a marqué lors de mes années passées à Novantia, eh bien, c'est les grands événements qu'a su mettre en place l'école, notamment les biennales de la négociation qui m'ont beaucoup marqué, qui correspondent eh bien, à des deux journées d'échange avec des personnalités, des professionnels. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Effectivement, je suis venu dans cette école pour acquérir des compétences nouvelles. Eh bien, l'école a su répondre à cela et m'a effectivement donné de nouvelles compétences qui m'ont permis aujourd'hui de trouver le poste que j'occupe. Et ça, c'était vraiment important pour moi de trouver ces deux aspects-là et c'est ce que m'a apporté l'école. J'ai trouvé facilement du travail à ma sortie d'école. J'ai mis environ 6 mois à trouver mon emploi, sachant que j'avais quand même une vision assez précise de ce que je voulais faire, donc une vision assez sélective. Il faut savoir que je suis sorti dans un contexte qui n'était pas forcément facile au niveau économique. Donc c'est vrai que trouver du travail dans un contexte pas facile avec des conditions assez particulières, pour moi, me permettent de dire que j'ai trouvé assez facilement du travail. Alors mes objectifs en sortant de Novantia peuvent se matérialiser sur 2 points. Le premier, professionnel. Bien entendu, trouver un travail qui me corresponde et qui soit aussi en adéquation avec ce que j'ai pu apprendre et faire chez Novantia. La deuxième chose, ce serait sur le plan humain. Le plan humain, c'est-à-dire que de par les échanges que j'ai pu avoir dans l'école, avec les élèves, avec mes camarades, avec les professeurs, j'ai une nouvelle vision un peu du monde, une ouverture d'esprit et voilà, ce serait de capitaliser sur cette vision et de mettre à profit les compétences que j'ai pu avoir à Novantia et en même temps de les concrétiser sur un plan humanitaire, un plan social et pourquoi pas de monter une structure qui pourrait aider sur ce plan-là. Et avant tout, prendre du plaisir dans leurs projets, dans la vie qu'ils ont à l'école, dans la vie associative qu'ils peuvent avoir à l'école. C'est vraiment le maître mot, c'est prendre du plaisir. Parce que quand on prend du plaisir, on est bon. On est bon dans ce qu'on fait et ça, c'est vraiment important. Une vie étudiante, on n'en a qu'une. Donc c'est vraiment de la vivre à fond et de se faire plaisir, tant sur les projets qu'on mène à l'école que sur la vie qu'on peut mener à côté.